Bonjour, c'est Kadi, bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 10 du Let's Play de The Front en compagnie de Kaya et Eric. Alors, je vois vos noms affichés à l'écran, ça m'embête beaucoup ça. Et je pense qu'on peut pas les enlever, bon, c'est un détail. Tiens, on va sortir des véhicules, vous inquiétez pas les viewers. Du coup, on se reprend sur le serveur Gadu Gaming, whitelisté en PVE pour ceux que ça intéresse. Il s'appelle exactement Gadu PVE slash RP whitelist. C'est deux, hein, non, on a appelé deux quand même. Deux whitelist, voilà. Donc PVE slash RP 2. Whitelist, parce que bah, il faut être whitelist pour venir dessus. Et pour ça, vous avez un lien sur Discord en description pour vous pour faire un petit, pour faire une candidature, voilà, une petite candidature. C'est très simple, hein, vous suivez ce qui est indiqué dessus, ça vous prend 5 minutes à peu près, et vous pourrez nous rejoindre, voire participer aux vidéos. Il y a déjà des personnes qui sont intéressées, qu'on a croisées, on n'a pas eu le temps encore de leur parler, mais on sait qu'ils sont intéressés pour faire des vidéos. Faut qu'on les, faut qu'on voit avec eux, mais. Parce qu'il faut les connaître un minimum quand même, hein, on peut pas accepter comme ça. Et du coup, là, on arrive à une base, la base de, des nazis. Ah, c'est pas les nazis, excusez-moi. Sortez vos papiers. Alors, moi j'ai la mitraillette, par contre, je peux pas faire droite-gauche, je peux juste faire haut et bas. Mais alors, par contre, bouge pas. Alors, recule un petit peu à droite. Ah ça... En face de toi, t'en as un là. Ouais, mais il faut qu'il. Je sais pas tourner. Il faut tourner la voiture. Encore, 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 un petit peu. Stop, bouge plus. Voilà. Là, ouais, bon, je l'ai tué un. Le ciel, ah, il a un devant. Bon, nickel. Deux. Un petit peu à droite. 5-2 à gauche. Ah, fonce vers le mec. Ah, c'est bon, il se met devant ce con là. Non, un petit peu à gauche. Ouais, enfin, tu vois bien. Un petit peu à droite, un petit peu à droite, un petit peu à droite. Un petit peu à droite. Ah, c'est bon. Eh, il fiche le sort, attends, il fiche le sort. Ah, c'est bon, je l'ai eu, c'est bon. Nickel, voilà. Bon, alors c'est ridicule les viewers, il y a un problème parce que je puisse pas faire droite ou gauche. C'est très naze. C'est très très naze. Je vais sortir quand même. Je vais. Comment on sort là? Il avait deux carottes sur lui. Bon. Putain. Ah oui. Et deux carottes, une dans le cul, dans la bouche. Excusez-moi les viewers. C'est quoi ça? Qui a fait ça? Alors, j'ai mon arme, les viewers. Pour info, mon arme est équipée d'un vertical grip, de la lunette que vous avez vu la dernière vidéo. Normalement, il me semble que c'était la dernière vidéo. Hein, que... Enfin, je l'ai fait avec eux, hein, avec les viewers, je crois. Donc, il y a un viseur x2. C'est pas énorme, mais c'est juste bien en fait, parce que sinon de près après c'est embêtant. Y a un mec là qui pisse. Enfin, il pissait. Oh, ce que tu lui as mis. Ouais, ouais, je l'ai bien mis là, t'as vu? Et il a pas vu venir. Hein. Il y a une musique dramatique qui apparaît. Enfin, qui vient de se mettre en route. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que du coup, on m'a coupé le sifflet. Oui, il y a un vertical grip, donc un viseur, et il y a un autre truc. Vous visitez le silencieux là. Espèce de silencieux. Bah, moment, on sécurise la zone? Attention, le pistolet va sortir. Ils sont où? Alors, ils sont couchés par terre, pas parce qu'ils sont camouflés, parce qu'ils sont morts. Il y a un mec qui pisse là-bas. Putain, c'est balèze ça. Oh putain, ça balèze, regarde ça, il a un lance-roquette. Ouais, moi aussi, vous le voyez? Attends, il y a un mec à droite, vas-y. Il y a balèze. Regarde-le. Oh putain, mais regarde. Toi, tu dégages. Putain, vous l'avez vu la roquette là, celle-là? Tiens, deux roquettes. Attends, mais par contre, il va me défoncer là en fait, là, parce que. Alors, ma vie, je suis je suis au 3/4 là. Enfin, au 3/4. Non, à la moitié. 3/4, je dis une connerie, c'est pas les 3/4 du tout, mais. Il est mort. Eh, ouais. J'en ai mis des balles dans sa tronche, hein, mais il bougeait pas, quoi. J'ai pris la porte à gauche là. Ok. Hartung! Moi, ça fait. Eh, ça fait penser, je te jure, réellement. Peut-être que c'est moi qui hallucine ou que je sais pas qui est une image. Parce qu'en fait, les drapeaux rouges, c'est clairement nazi pour moi. Je vois des drapeaux nazis. C'est une chose. Et le bruit des mitraillettes me fait penser au bruit des mitraillettes allemandes de l'époque. Un bruit très aigu, tu sais. Ouais, j'ai pas connu. Moi non plus, mais là je te parle. On va dire dans les films, je sais pas. Enfin, c'est moi qui. Peut-être qui l'invente ou. Peut-être qui est trop joué à Medal of Honor. Oh, regarde ça. Carbon Fiber Supply Crate 7. Je trouve qu'il n'y a rien dedans. Attends, regarde. Je vais te dire. Oh, c'est de la merde. Tu peux regarder, monsieur, c'est de la putain, merde. Putain, oui. Je te laisse, c'est de la merde. Là, je prends les. Alors, il y a un mou punch. Ça, par contre, je pense qu'on peut l'équiper, le mou punch. Ah bah tiens, je te le remets dedans. Ouais, si tu veux, ouais. Ça, les viewers, je vais vous montrer ce que j'ai sur moi dans mon flingue. Alors, c'est ici. Là, regardez. On peut pas le mettre. On peut pas le mettre parce que c'est pas fait pour. Voilà, t'en doute, Kaya. Je peux pas, en fait, je peux pas le mettre. Ouais, je vous attends. Y'a pas. C'est pas la bonne arme, exactement. Y'a un gros. Ok, il est de l'autre côté de la base, mais il nous attend. Ouais, lui il a une sulfateuse, il a. Une sulfateuse! T'as l'autre lance-roquette, c'est un peu violent quand même. Touché.
Mais il est pas mort encore. Attends, comment on fait pour rentrer dans ce chien? Là dans le coin. Là. Ah. C'est derrière. Il est mort. Okay, il s'amuse tous. Eh, c'est du foutage de gueule. Il y a un stick grenade, il y a deux Aether Shards et il y a une stone, 18 stone arrows. Ouais, mais c'est les bases de début, ça. C'est quand tu viens de la zone du nord, là. Ouais, enfin, c'est les bases de début. Parce que ils sont quand même stuffés, les mecs. Hein. T'as vu le lance-roquette, là ? Différent contre eux. Ils nous avaient abîmé notre précédente camionnette. C'est bien fait, par contre, le coup de escalader. Enfin, c'est pas trop mal fait, on va dire. C'est bien fait, y a une caisse jaune sur le toit. Un peu exagéré. Hein. Avec. Bah là, je prends. C'est... De la merde, c'est purement de la merde. Ah non, moi j'ai les HE grenades. Oui, enfin, bon, c'est pas un truc de fou, quoi. Pour mon truc à la Schwarzy. Ah, il tire dessus, le mec là. Oh, attends, où tu vas là? Toi aussi, elle fait. Ah, c'est bon. Okay. Oh, je l'avais touché. Oui, et touché, ça l'en plein dessus, ouais. T'as tiré pile dessus, j'ai vu l'explosion, ouais. Au dernier moment. Il y en a un qui est caché derrière le bâtiment. Ah, il y en avait un troisième, je vois plus. Et par contre, franchement, le gun que j'ai, la mitraillette là, c'est un limite à sniper. Hein. Presque. Parcours, ouais. Ça tire un peu à côté. Non, en rafale, même en rafale, ça marche bien. Voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient aussi peu nombreux. Vu la taille des bâtiments, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Oui, il y a des villes qui sont plus grosses. Après, ça repop super rapidement, hein, les viewers, je vous le dis. Je regarde s'il y a que autre chose, mais il n'y a rien. C'est clean. On va fouiller les bâtiments, peut-être. Par là ? Non, bah reprenez pas l'échelle. Hein. Hop là. On peut bien prendre des dégâts. Oh. Pas de dégâts là, bon, on n'est pas très haut. Hein. Ouais, ça, on est pas très haut. Faut pas se rater, quoi. Ça compte mourir des dégâts de chute, tu vois. C'est du bol de sangria. Alors. À 100 mètres du bol de sangria, exactement. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, je crois que maintenant c'est. Tout le monde le dit, sans même savoir d'où ça vient à la base, je précise. Donc. Comme beaucoup d'expressions. Il y a des expressions qu'on utilise qui datent du 18e, 19e, même bien avant. Mais carré, putain. Mais carré. Il est mort. Toujours rechargé, les vieux, on sait jamais. C'est qui là? C'est qui lui? C'est Kayaz, hein? Non, c'est Rick. Qui sautait là comme un gueudin. Attends, et les bâtiments, on n'a pas fouillé la grande tour avec le satellite et tout là, j'ai rien fait moi. Attends. Par contre, ils ont du stuff qui est par terre, faut peut-être regarder le stuff aussi, hein, qui lâche. Parce que moi j'ai pas regardé le stuff. Hein. Tu sais, il y a des chars comme ça. Oh putain, y'a un mec qui. Dis donc. Ah, les portes sont fermées là. Bon, c'était de la merde en fait qu'il avait sur lui. Mais bon, hein. Faut fouiller les sacs, hein, qui laissent par terre aussi, hein, parce qu'il y a au moins des shards, ramasser les shards. Ouais, ça souffle pas là. Oui, si peine fermée. Pas. Y'en a qui s'ouvrent pas. Ouais, mais je peux faire open, close. Ah, ouais, mais ça marche pas, ça s'ouvre pas. C'est égal texte quoi, c'est ça? Ouais. Ah, faut peut-être passer par en haut, c'est pour ressortir, non? Y'a des meurtrières, hein. Ah, y'a des meurtrières avec des coffres dedans, donc ça s'ouvre en tout cas. Ouais, c'est des portes coulissantes en fait. Ah, à tous les coups, ça s'ouvre de l'intérieur. Bah, ouais, mais là, attends, comment on va chercher le coffre qui est là-bas là? Ah, attends, peut-être qu'on peut aussi effectivement descendre de quelque part. Non, au-dessus il n'y avait rien. Rien du tout. Alors soit c'est bugué, soit effectivement il fallait en fait ne pas tuer la personne qui ouvre la porte pour qu'elle ouvre la porte. C'est possible. Ce que je me dis qu'on a fait, mais bon je suis pas certain du tout de ce que je te dis. Hein. Donc toujours des bananes, des Aether Shards, mais les shards c'est important les vieux parce que je vous rappelle c'est ça qui débloque les niveaux de tech. Il faut non seulement avoir le niveau d'expérience, oui. Plus des shards pour débloquer les niveaux de tech. Ça va pas là? Ok, là tu coupes le grillage. Hop. Oh, tu as une grenade? Non. Bon, on retourne au pick-up. Alors, ouais, pour moi, c'est un bug. Hein. À aller faire. Pour moi, c'est clairement un bug. On a une autre base à faire? Ah oui, bah la plus importante. Ok, j'arrive. Ah, c'était l'échauffement. Très sympa. Juste parce qu'il nous avait détruit notre précédent pick-up. Je sais pas pourquoi, mais ça fait penser aux nazis. Je pense que c'est les grands drapeaux rouges là. Oui, bah c'est le. En fait, typiquement, ça fait penser à Wolfenstein, pour te dire. C'est ça. Ah ouais, il y a plein de trucs, bah, plein de références hein, qui utilisent. Pour moi, on est dedans, mais bon, encore une fois, chacun. Attends une seconde. C'est bon, je suis à côté. Tu peux y aller. Bon, alors les véhicules sont à revoir, les viewers. Hein. J'imagine bien que les développeurs ils vont faire ça mieux parce que là, c'était un peu n'importe quoi. Au moins, ça marche. C'est juste que bon, bah. Il y a quand même mieux quoi. Au véhicule.
Ouais, il est bien sûr, là. Non, on comprend pas. Ouais, le 6-6 là, mais on peut pas. Ah, on peut pas, d'accord. Juste le détruire. Ok. Attention aux arbres. T'inquiète, est-ce que tu pourrais me mettre un point, Bougadu, sur la base qui est en dessous de chez nous? La base qui est en dessous de chez nous. Ouais. Alors attends, nous on était où déjà à la base? Tu prends notre base, ensuite tu cherches attends. Le pont. Déjà on est où nous? Et tu descends. Bah normalement c'est indiqué. C'est là normalement. Pour moi c'est là. Là on y arrive, c'est ça. Hein. Ah ouais. Ok, donc notre base est là. Tu veux que je mette un point où? Sur le village, tiens, on pourrait lancer une autre base, une autre vague. D'accord. Sur la base qui est plus bas, mais bon, on y va maintenant, j'ai retrouvé le chemin. Bon, ok, d'accord, parce que là je suis bugué, moi, en fait. J'étais sur la map, et quand je bougeais la souris, ça bougeait la caméra derrière, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est... Bon, le jeu a des bizarreries, mais bon, ça c'est normal, il vient de sortir le jeu, encore une fois. Enfin, là ça fait quasiment 3 semaines, enfin, c'est pas grave. Mais ça va, ça se corrige au fur et à mesure, ça va dans le bon sens. Et puis, encore une fois, ce que j'ai dit déjà plusieurs fois, mais je le redis. Le jeu est bien, même s'il y a des gros bugs, notamment le bug des voitures, là, c'est très moche, la voiture qui reste horizontale. Mais c'est cosmétique. Bah c'est vrai mieux que tu conduises parce que. Moi je le vois pas ça. Ouais, non, mais après c'est bien aussi de le montrer aux viewers ce qu'on voit quoi. Mais... Alors tiens, regarde, ça c'est un truc. Oui, quand tu freines, ça va net. Non. Ah, c'est pas ça. Regarde. Ici. Y'a des renards! Renards. C'est bon. On va défoncer ce bâtard. Voilà. Regarde, là. Oui. Et là, tu fais F. Tu peux l'améliorer. Mais améliorer quoi? Bah, vous voyez pas? Ah oui, non, c'est juste. Bah, vas-y, fais F. Tu vois. Je l'ai fait. Il y a des barres en métal qui sont apparues dedans. Voilà. Ouais. Bah, on sait pas trop à quoi ça sert parce que tu peux même pas t'installer dans le. Bah oui, puisqu'en fait, c'est pas à nous de base. Non, c'est pas à nous. Voilà, donc je. Et chacun voit les améliorations qu'il pose. C'est ça. En plus, c'est gratuit. Ouais, ça coûte rien. Attends, derrière le bâtiment, puisqu'on est là, il y a rien dedans. Bah, vas-y. Vas-y. Ce qui est sympa, le bâtiment. Ah. On peut pas rentrer. Il y a tout un intérieur, etc., avec des cuisines, des machins. Aussi, c'est à l'étage. Faut grimper à l'étage. Ouais, il y a que là. D'accord, donc au rez-de-chaussée, on peut pas. Ouais, il y a rien d'extraordinaire. Ouais, rien d'extraordinaire, effectivement. C'est juste. Pas trop mal dessiné en fait, on va dire. Ouais. Alors heureusement j'ai pris une torche et viewer parce qu'il fait un petit peu nuit. Je sais bien qu'on essaie de faire un max de vidéos en fait. Il y avait fait, des de bananes. Il y avait des bananes dans la caisse de bière. Tu veux pas une lampe torche? Bah si t'as une lampe torche je prends, mais je sais même pas qu'on pouvait faire une lampe torche en fait. Tu la trouves en fait celle-là, la lampe torche? Attends. Non, tu la craftes pas? Non, il l'a crafté. Ouais. Non, parce que moi j'ai jamais crafté en fait. En fait il y a tellement de choses à crafter, tellement de choses dans le jeu en fait les viewers que forcément. Ouais. Par terre. Autant arc je connais, autant là c'est où par ici, terre là. Ah c'est bon, je la vois. Alors, bien dessiné en plus par terre. Hein. Allez, vas-y. On laisse qu'il y ait dehors, il est habitué. Ah. Je mange surtout au bon moment. Alors, je mange. Aime bien avoir des gros outils entre les mains. Oh oui. Alors les viewers, on est globalement au début du jeu, hein. Dites-vous ça, là je suis niveau 35, je vous assure que le niveau max c'est 60. Donc on est un petit plus de la moitié, sauf que les niveaux au début sont beaucoup plus rapides que les niveaux à la fin. Et pareil, dans le véhicule, tu confirmes. On se prend nos propres balles. Hein. Tu peux tirer que devant. Tu peux tirer que devant au milieu, pas à droite et à gauche. Ah, vas-y, allume-le en face, Lille. Ouais, tourne un peu à droite, s'il te plaît. Ouais. Tourne à gauche. Non, c'est mort. C'est chaud, hein, ce que je disais. Hein. Ah, c'est à côté. Bah, vas-y, on descend. Y'a le renard. Y'a le renard qui nous bouffe le pare-choc. Il prend des balles. Hein. L'explosion va sortir. Voilà. Donc, plutôt les petites balles vont sortir. Oh, vous avez des suppresseurs en fait, vous? Ouais, toi aussi. Bah non, t'as vu le bruit que ça fait? Moi, ça tire comme s'il n'y en avait pas de suppresseur. Hein. Il y a un balèze. Alors, je tire par rafale, les viewers, c'est pour éviter le recul, hein, pour ceux qui se posent la question. Putain, c'est quoi, c'est on a été touché. Ouais, ben, c'est moi qui vise en fait là. Ouais. C'est bon, ça va? Ouais. Alors je suis pas sûr qu'un bandage pourrait suffire. On va rester loin pour le sniper. Regarde la technique. Il faut que tu viennes faire ma technique. Regarde. Je saute et je tire. Voilà. Je touche en plus. Hein. Je vais réussir à l'avoir. Quand tu sautes et tu tires, t'es où en fait là?
Ah bah je tire sur le gros là. Ah, au-dessus de la caisse, là, viens, là, sur ta gauche, sur ta gauche. Regarde-moi sur ta gauche, il y a deux. Ah ouais, t'es là, d'accord, ok. Ah oui, tu tires, puis tu retournes. Ouais, ouais. Je passe au-dessus, hop. Hop là. Ah, il est là, il est pas en fait là. C'est pas putain. Oh le lag. Il est à terre. J'ai changé de gun. Je me dis que le shotgun était plus intéressant de près. Même s'il est beaucoup moins évolué, parce que du coup, j'ai pas mis d'amélioration les gars. J'ai plus de balles en fait, moi, perso. T'as besoin de balles de quoi? Bah de flingue, de mitraillette. Non mais sinon j'ai le shootgun, j'ai le shootgun. Mais c'est bon tiens. Et un mégadin, putain, salaud. Il va me tuer hein. J'ai récupéré ça. Bah il t'en reste combien toi? J'en ai encore 200, viens. Ouais 200 c'est juste un chargeur, fais gaffe hein, ça va partir vite hein. Moi j'en ai cramé 200 depuis le début de l'épisode. Et c'est où là je sais pas. Là, par terre. Alors je vois rien. Mets ta lampe torche, tu vas voir, tu vas aller voir. Alors, ma lampe torche, j'ai pas encore équipée parce qu'elle est sur moi. J'ai la mettre à la place de ma torche, du coup, normalement. Je fais 5 pour éclairer, clic droit pour l'allumer, et voilà. Donc tu m'as dit, où ça? Ah, la petite boîte juste... là ouais. Ah ouais, la vache là. Ouais, c'est bon, ok, nickel, merci, ok. Ah, c'est un stack de 200 que tu m'as filé, donc oui, effectivement, ça va. Toi, tu dis bien équipé, toi, avant de partir, hein, parce que là, moi. Ah bah oui, moi je suis. Je me demande si j'avais pas 400 d'ailleurs, au passage, en partant. Mais c'est vrai que bon, j'en ai tiré des balles, donc forcément. Alors, il y en a d'autres où? Il y en a un là-bas, tiens, tout seul. Tout raté, tout mis à côté. Il tire dessus en plus, lui, hein. Il est mort. Alors, on est un peu de nuit, les vieux. Il y en a un qui court, mais c'est un copain à nous. Oh putain! Oh putain, il m'a allumé! Je suis par terre! J'ai pas vu ma vie du tout. Hein. Y'a personne autour de moi, donc ça va, je me recule un petit peu, hein, désolé. Je vais mettre un bandage ou quelque chose parce que là j'ai pas vu ma vie en fait. Effectivement elle était un peu basse. Basse. Celui qui m'a allumé il est à droite hein. La bandage ouais, je sais pas. À droite. C'est pas dit que ça m'aide, ouais ça remonte la vie quand même. J'ai mangé aussi un petit coup, je sais pas si ça aide, j'imagine que oui. Les bandages, ça derrière vous. Ouais, c'est les mecs qui font leur ronde. Ah, hein, du coup je suis un petit peu tard, moi désolé, hein, j'ai failli mourir là encore une fois là. Là je suis à 5ème de ma vie. Ah je ça mange se ici là. Y'a rien, y'a une caisse jaune. Ouais, mais juste pour voir quand même comment ça se présente. Et bah, c'est là où j'étais coincé au deuxième ou troisième épisode là. Ça ressemblait à ça la pièce. Vous m'avez abandonné. Y'a de l'alcool, y'a 9 d'alcool. Hein. Bon, après, je sais pas comment ils l'ont fait. Ah, on peut faire des explosifs avec. Bah, si, parce que ça se fait avec du blé ça. Ouais. Je sais qu'il y a 4 transformations pour arriver en fait aux grenades ou aux missiles. Je sais, parce que je l'ai vu avec les serveurs, mais. Moi j'ai pas expérimenté moi-même, j'ai juste eu les joueurs PVP en fait, hein, pour ceux qui se posent la question. D'ailleurs, on a d'autres serveurs aussi, les viewers. Hein. Nous sommes sur le serveur actuellement PVE RP2, whitelisté, mais il y a aussi un PVE RP1, enfin, RP tout court, qui lui est public, et on a deux PVP, un whitelisté et un normal. Enfin, un public quoi. Quand je dis normal, c'est public. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Comme d'habitude. Encore une fois, ça pourrait t'amener à changer si vous regardez la vidéo en un an. Hein, ceux qui se posent la question, on essaie de garder les savoirs quand même convenablement. On essaie de pas faire des coups de merde à tout éteindre et à tout allumer en 15 jours. Mais voilà. Ça peut changer quand même au bout d'un moment, surtout s'il n'y a plus de personnes intéressées, tout simplement. Hein, donc, voilà. Ok, donc du coup, est-ce que vous avez fouillé tous les corps qu'il y avait? Parce non. Que là, je vois qu'il en reste. Il en reste un là-haut, mais. C'est beaucoup de merde. Hein, c'est beaucoup de merde. Et dans le bâtiment, là, parce que le grand bâtiment, on peut pas rentrer, j'imagine. Ouais. Tiens! Alors! Ça prendra à surprendre les gens. Ça t'apprendra! Moi j'ai cramé un demi-chargeur, mais. Je peux te garantir qu'il l'a senti là! Bon, heureusement, ma vie est au tiers, là. Tiers-moitié, donc ça va. Je suis bien. Je suis quand même c'est clair à l'étage. Par contre, j'ai de la flotte sur moi, j'avais oublié. Mais une bouteille d'eau que je bois jamais, puisqu'à la base je bois dans le lac. Ça s'ouvre pas encore, c'est ça? Non. Là, j'en fais la lumière. Pour boire aussi. Par contre, je bois pas la bouteille avec une mèche qui dépasse. Je vais éviter. C'est la mauvaise. Tiens, bah là, y a une caisse là. Ouais, mais tu as deux flèches. Un bout de tarte. Non. Quelqu'un veut une tarte aux fruits? Ouais, c'est des bananes, de la pastèque. Des carottes. Ah, faut juste un niveau 36 pour utiliser. J'étais au marché. Je suis pas niveau 36, c'est vieux. Bah tiens, j'ai une lampe torche, Kaya, tiens, ça tombe bien. Yeah. C'est quoi ce bruit là? T'es en train de tirer dessus là. Qui c'est qui? Y'a
légèrement devant. Lui il a pas compris, disait le mec. En dessous là, boum. Il y a un mec à droite aussi là-bas, je vois. Et ils sont en top, hein, encore là. Non, c'est ils sont dans un angle qu'on voyait pas. Ah. Je vide bien. Ah, attention là, tu es peut-être un peu où là. Sur la caisse. Sur la caisse, quelle caisse? Sur la caisse, tu prends pas de dégâts. Il m'a poussé. Voilà, merci. Ah, voilà. On a sauté, il m'a poussé en l'air, lui. Mais oui, il m'a poussé. Bon, bref. Arrêtons de tergiverser. Hein, il reste un mec au pied de la guitoune. La guitoune? C'est pas une guitoune, ça? Qu'est-ce que ça t'appelle, une guitoune? La guitoune, c'est en bas. Ouais, ça, c'est le... Ah, la guitoune, c'est quand c'est en bas. C'est-à-dire quoi? Parce que je connais pas le terme. Bah, la guitoune, c'est là. C'est le truc que t'avais devant les casernes. La guitoune, là, ils étaient dedans, là, les d'accord, les gars... Je pensais que c'était le petit nom de, tu sais, une tour de guet, il appelle la guitoune, tu vois. Mais d'accord, ça n'a rien à voir, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas. Oui, c'est... Non, ça existe vraiment. C'est des termes. Voilà. Bon, on a fait le tour, hein, je crois. Là, je regarde vite fait par là. La porte n'a pas ouvert. Il n'y a pas de stuff par terre non plus. Ah, il y a... ouais, c'est ramassé, c'est du fer, on s'en fout un peu. Donc, du coup, en fait, il n'y a plus rien, là. On est d'accord. Hein, on a fait le tour, il y avait ce bâtiment-là, là, t'as pas loot. Ouais, il y a ça, mais bon, c'est juste une caisse, quoi. À part ça, il n'y a rien. Non. Tous les grands bâtiments, en fait, ils s'ouvrent pas, en fait. C'est juste pour la beauté, quoi. C'est ça. C'est très con, j'espère qu'ils vont le changer, ça, les développeurs, plus tard. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors après, on a une grande route, là, qui nous mène... Et le bâtiment, là, qui les nous mène... escaliers... Ah, je sais où on va aller. Allez, viens. Je vais te faire attends. Je vais chercher le véhicule pendant que vous faites ce bâtiment. On l'a pas fait, celui-là, on est d'accord, hein. Ah, mais ça va pas marcher, chercher ça, le véhicule. Y a un mec, là, tiens, Kaya. Elle a rien fait. Donc ça t'apprendra, elle voulait... Non, j'allais dire une connerie. Là, il y a une caisse. Elle voulait faire quoi? Non, rien. Blueprint crate. Tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a un cupid rifle bleu. Polo. Voilà. Il y a des bottes en métal, bon, un peu des Orchards, et des composite bow en légendary. Ouais, un arc à poulie, c'est-à-dire. Je sais pas si ça peut... Oui, un composite bow, c'est ce que je viens de dire en anglais. Une glitch. Ouais, alors j'ai regardé le jeu en anglais, peut-être que maintenant je pourrais le passer en français, je pense que ça a été amélioré. Parce qu'à un moment, c'est un carnage, hein, quand même. Et là, il y a quoi là-dedans? Là, on a un... Wow! Un all-purpose machine gun. Oh. Ah, il faut niveau 40, je suis pas. Mais, en fait, c'est un grand pistolet avec un gros chargeur, tu sais, là, tu vois, le gros chargeur énorme. Ouais. Donc ça, on va le prendre, ça peut être intéressant. Un strop SMG. Ça peut être intéressant aussi, et puis de l'alcool, encore une fois, donc bon, voilà. On accumule, hein. Ok, donc ça valait le coup de le faire, quand même, ce truc-là, hein, tu vois. Alors j'imagine que ça c'est peanuts les viewers, hein. J'imagine qu'on peut avoir beaucoup mieux que ça. Avec quoi sur elle la fille là, qui priait là. Toujours les shards, au minimum prenons les shards quoi. Il n'y en a que 4 à chaque fois, mais 4 c'est les trucs de base à débloquer, hein, 4. Hein. Il en faut 4, donc bon. Si on peut en avoir un gratuit, moi je prends. Donc là c'est fermé, on peut y aller. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a tiré dessus. Je sais pas, c'est peut-être Rick qui s'impatiente. Ah peut-être. Mmh. Attends, je fais le tour comme du bête de la tour, Kaya. Ah oui. Parce qu'en faisant le tour, il y a un crate au bout. Ah, comme quoi, tiens, j'ai bien fait, hein. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a la gunpowder, ouais, un shard, encore un peu de munitions, et un flashbang. Il faut être niveau 36, que je ne suis pas. Flashbang. Attends, j'ai pris des dégâts, là. Il y a un mec, là, mec, Kaya. Il y avait un mec, hein. Ah, mais je suis plus avec toi, moi. Bah, il y a un mec qui m'a tiré dessus. Heureusement, il est mort en 2 secondes, parce que... Headshot. J'ai ramassé ce qu'il a. C'est quoi? Il y a un truc rouge qui vient de passer, les vieux. On est d'accord, hein. C'est un bug visuel. Il y a quoi là-dedans, en fait? On peut pas rentrer dans les bunkers. Dans les bunkers, je vois, il y a un intérieur et tout. On peut pas y aller. J'arrive, du coup, hein, j'arrive. Ne bougez pas. Donc, vous voulez faire une autre base, ça? Encore? Ouais. Donc, là, les vieux, vous allez être gâtés, hein. On va faire de la base, hein, aujourd'hui. Hein. Ah, je suis là. Il manque quoi? Est-ce que vous êtes tous équipés encore, là? Je peux pas passer, en fait. Mais c'est bon. T'as des munitions et tout, Galu? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là. Ah, peut-être un peu moins, mais enfin ça ira, t'inquiète pas. Sinon, j'ai mon crac-crac. Comment ça s'appelle là, le crac-crac? Fusil à pompe. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce non, que j'aurais bien voulu essayer de fusil à pompe un jour dans ma vie quand même. Je sais que des fois, dans les fêtes foraines, t'as du cassage d'assiettes à coups de fusil à pompe. Ah, mais ça, non, bah, tu vas dans un stand de tir, hein, et. Ah oui. Et en plus, tu seras encadré par des professionnels qui.
Oui, mais moi je veux recharger comme Schwarzy dans le Terminator, mais je suis pas sûr qu'ils veulent bien. Ouais, bon. Allez, alors, si, peut-être que tu pourras, mais sans. Non. Tu commences à faire le tour, tu sais, avec ton gun, comme il faisait dans le film, et tu défonces le plafond sans faire exprès. Ou le mec qui est derrière, tu sais, ça tire derrière, dans ton dos. Ou pire, tu tapes, tu Est-ce sais. Est-ce qu'elle bouge la voiture ou pas? Non. Ah, ça aurait été beau que ça vole. Ou pire, tu tapes dans là où tu mets tes bras pour t'appuyer. Quand tu fais le tour, là, tu tapes et ça tire directement, ça te shoot les pieds. Ah, j'ai raté la bifurcation. Non, en plus, pour ces guns... On va partir dans la montagne, on n'est pas équipé pour. Le gun de Schwarzy, je sais pas si vous avez vu, mais c'est Winchester, je sais pas quoi ce qu'il fait, hein, c'est pas un fusil à pompe de base. Et ça passe. Bah, tu ramasses sa voiture. Ah, essaye de passer pour voir. Essaye de passer. Mais ça passe. Oh, non, ouais. Doucement, mais ça passe. Ok, Jesse. Il y a un vélo qui est tombé déjà. Vas-y, bah non, mais essaye, t'es parti. Il y a un mec qui a essayé en vélo. Non, je pouvais plus avancer. Fonce! Fonce! Je récupère ce qu'il y a dedans. Saute de travers, vas-y, non, mais saute par-dessus, vas-y, fonce! Avec la voiture, moi je pouvais passer et aller dans le désert avec. Ouais, okay. Où c'est que tu vas là? Ah non, tu fonces comme ça, toi. Oh, amphibie! Alors, ça par contre, ça, on n'avait pas prévu ça. Amphibie! C'est un peu bugué aussi, mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'on a rien vu les viewers, hein. Ça va être corrigé. Ne faites pas ça si vous jouez au jeu un an après, hein, s'il vous plaît. Ça c'est des grandes chances que... Le moteur qui a fumé. Pfff. Bah ouais, t'as entendu le bruit que ça fait, ça fait... ça fait ce bruit-là. Oui, le temps. Là là. Il y a un grand cratère au milieu. J'avais jamais vu, là. Faudrait l'appeler l'amphibrique. Ah ouais. Effectivement, il y a un grand cratère. L'amphibrique. Et si on saute d'ici, là, ça casse ou pas? Je sais pas. T'as pas envie d'essayer? Des grandes chances, ouais. On a pris la bonne route. Hey, ou... on arrive dans la neige. On la neige qu'on a pas encore fait, les vieux. Ah ouais. Non, mais ça, normalement, si c'est comme dans les autres jeux ou Mist of Empires, c'est la fin, ça. Le jeu est sympa quand même. Hein. Bah, j'imagine que c'est les zones les plus hardes quand t'arrives dans la neige. Ouais. Oui, parce qu'en plus, t'as le climat. Super sympa. Hop. Quand elle chante à sa manière. T'as vu ça? Je veux pas de quartier. Ah, j'ai cru pas le choix. De pitié pour les méchants. Je crois que j'ai pris foi à côté de la montagne là. Ah, il me reste 100 balles, 130 balles exactement pour répondre à Kaya. 100 balles et un Mars. Et ça repart. Bah, depuis toi, c'est beaucoup, t'en avais 200. Peut-être moins tiré avec moi. Lui, il est facile à tuer. Il y a tant pis, c'est. Gaspillez pas trop de balles, y'a un mec à droite. Non. Tu cliques. Voilà, il me reste plus que 100 balles. Comme quoi, ça part doucement. Hein. Y'a plus de musique, donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Ah, y'en a un à droite là. Voilà. Oh putain! Allez, viens, vous le voyez là, celui-là? Il est en gros, hein. Il me tire pas dessus. Pourquoi il veut pas? Il veut pas me dire dessus en fait. En fait, il sur moi en fait. Attends, par contre, j'ai plus de vie. Tiens dessus par contre, j'ai crevé. Je mets à la vie parce que là en fait, alors. J'ai pas crevé, je suis pas mal à ce point là, mais j'ai perdu de la vie. Ouais. Par contre là, j'ai pris très cher. Il me reste un cinquième de vie. Ok. Alors, je vous inviterai à manger un truc comme ça. Parce que manger, ça remonte bien, j'ai l'impression. J'ai pas mal de bouffe, hein, s'il y a besoin. Ah, ils sortent là-bas. Effectivement, les mecs, ils ouvrent les portes. En 60-75, là. Ok. Ah, j'ai vraiment plus beaucoup de balles, il m'en reste 27 des balles. La journée pour toi. Attends. Et les loots sont un peu plus intéressants même en allant vers le sud. Hein. Ouais, non, comme quoi. Non, en fait, je pense que ça dépend de la, plutôt du style de base. Mais le problème, c'est que là, moi, je commence à être full. Y a pas un coffre si, dans la bagnole, non. Je sais pas. Tant qu'il y a un coffre. Bah, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Ouais, mais. Non, mais c'est bon, j'ai un fusil à pompe. Oh putain, j'ai plus que 7 de vie! Voilà, je suis par terre.
Ah, mais sauf que là, je pense que vous allez me réveiller, merci, mais je pense que je vais pas m'en remettre parce que là, il me reste 81. Je pense que je me mets à l'abri. T'as de France en toi ? J'ai des bandages, mais sauf que les bandages, c'est de la merde en fait. Bah, tiens, ça empêche le saignement, ça soigne pas. Hein. C'est ça. T'es où ? T'es là. Tiens, prends ça. Ah, je suis plus ramassé non plus ce qu'il y a par terre. Pour info, je suis blindé de conneries là. Là, là. Qui est chirurgical. Ouais, mais en fait, ça devrait aller. Un moteur est full, bah oui. Ouais, tu jettes des trucs. Pour l'instant, surveille, hein, parce que sinon. Je sais pas quoi jeter en fait. J'ai juste pas quoi jeter parce qu'en fait, j'ai tellement de partout en fait que là. Regarde, deux stones, tiens, ça je m'en fous. Ça. On va faire ça, et puis on va prendre ça plutôt. Et puis je vais prendre. Use, c'est. Et là, par terre, il y a des balles. La vache, c'est vachement bien fait comme l'animation qu'il y a quand il te soigne. C'est impressionnant. Hein. Ah, mais toi, il y a plus de rester, t'en as mis combien là? Si, j'en ai une brasse là. T'en as mis combien? Encore 200, mais attends, t'en as plus après? Non, bah. T'en avais. J'ai trop d'armes, t'as vu toutes les armes que j'ai moi. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Parce que je me disais, il t'en restait 200 tout à l'heure, donc je me dis. Ah oui, il t'en restait 200 en fait, en plus de ce que t'avais démarré, d'accord, ok. Ça marche. Ah merci, mais sauf que ça va partir aussi super rapidement. Je pense qu'il faudra rentrer après, parce qu'on aura plus de stuff. Par contre, là, je crois que. Il y a encore une pièce ici, enfin encore. En fait, c'est la même base en fait. C'est exactement la même base. Oui, c'est le même template. Salut. T'es pas obligé de la finir. Bah, si, parce qu'en fait, je sais où sont les armes importantes. Bah, oui, il y avait un blueprint, je sais plus quoi là. Un blueprint crate, voilà, il est là. Donc, soit il faut le prendre. Parce que j'imagine que dedans, c'est le jackpot. Alors, dedans, on a des hits, hein, des shoes résistantes à la chaleur. C'est bien ça. Attends, c'est quoi ça? Je vais le dégager. Je vais prendre ça plutôt. Les os, je vais essayer de trier un peu. Le mushroom, c'est pareil, il va périmer, c'est ridicule. Voilà. Ça, au final, je peux faire D aussi pour les jeter. Parce que je préfère les jeter que de les mettre dans le coffre. Si jamais quelqu'un tombe dessus, en fait, hein, ça mieux que ce soit vide plutôt que rempli de conneries. Alors, il n'y a rien d'autre, les vieux, on est d'accord. Hein. C'est pas une caisse, c'est pas une caisse à ramasser. Ah, il y a des munitions sur le toit. Bon, il n'y a pas grand chose. Mais... Y'a quoi là-dedans? Y'a quoi là-dedans? Oh pff, des munitions des cartouches, je suis déjà à fond. C'est mon fusil à pompe en fait, donc je suis déjà à fond. Les stones à rouge, je vais les prendre. Enfin, il me reste plus que deux. J'en laisse deux pièces par grave. À moins mon fusil à pompe ne soit pas chargé. Si, stone à rouge, oui, le stone à rouge. C'est un break facile. Hein. Ça, c'est bon. Du coup, là, y'a plus rien. On peut grimper au-dessus, là, j'allais voir vite fait quand même. J'ai regardé, y avait des munitions. Y'a rien, ok, d'accord. Okay. Oh, regarde! Ouais, derrière en fait, derrière il y a un coffre au bout. Ah, il y a un coffre bleu là. Ah, il est pas bleu, il était jaune moi quand je l'ai fait, mais bon. Ah, il est meilleur quand il joue. Et là il est bleu. Non, là où je suis là. Ah, bah là où je suis il est jaune. Ah, et oui, moi je te parle de celui qui brille là en camo. Ah, bah c'est des, de carbone. C'est des munitions en fait qu'il y avait. Avec un exotique blueprint de steel shovel. Et là il y avait une plante qui poussait en plein milieu du béton. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a essayé. Donc tu disais, excuse-moi. Ouais, viens voir, c'est pas mal là ce qu'on a. On a un réservoir d'essence supplémentaire. Il augmente la capacité de fuel de 4 slots. On a un blueprint exotique orange de... T'es où? Alors par contre, si je sais pas où t'es parti en fait, mais sauf qu'il y a beaucoup de choses... Dans le bâtiment là où t'étais devant? Il y a des choses à ramasser au passage là, vous avez pas ramassé... C'est qui balance des smokes là? C'est Gaïa, j'ai vu s'amuser là. Là par contre, il faut ramasser les minerais et les talents de bouc, hein. Parce que les talents de bouc c'est pareil, vieux, hein. Ça permet de débloquer des choses, donc... Là on a un stone flow, ouais... qu'est-ce que je peux jeter qui me sert à ça? Ça je peux jeter, regarde. Bah, ça dépop, ok, c'est fait. J'ai pas le temps de le prendre. Ça je peux prendre. La brique je peux prendre. Ah, ça dépop aussi, ouais. Ok, ça dépop tout seul en fait, les vieux. À moins que quelqu'un me suive et prenne le stuff, mais... Ouais. Voilà. Ah, c'est toi qui prends le stuff? Ouais, j'ai pris ce qui était important. Bah, les talents de bouc, tu les as pas pris. Les talents de bouc, c'est super important. Il faut les prendre. On peut les stacker, ça. S'il y a un truc qu'il faut prendre, c'est les talents de bouc. Franchement. Les shards et les talents de bouc. Ouais, tout le reste. C'est ça. Ouais, le reste, on fout un peu après le reste. Ok, bon, le moi reste, j'ai fait le tour. C'est bien, mais c'est pas. Toi, t'es où, Rick, du coup? Parce que pour comprendre, tu m'as dit. Là, je suis reparti au pick-up. J'étais à côté de toi. D'accord. Donc là, je suis au pick-up aussi, mais tu vois, je suis là. T'as été voir à droite, là, du coup? Là-dedans, là.
Je sais pas si on était voir ou pas. Je sais plus ce qu'on a fait les vues. En fait, désolé, j'ai pas trop suivi, mais le coffre est moitié dans le sol, c'est moitié bugué et il est vide. Donc vous l'avez déjà fait. Et ben ça, ok. À droite, est-ce qu'on a quelque chose à droite? Ah, ça droite, se rajoute pas rien. Sur celui-là. Il y a plus rien. Bah voilà, bon, on a fait le tour en fait hein, de la base. Hein. Toujours la même base, on fait toujours le même template. Hein. C'est une intersection en fait de trois routes et puis voilà, hein, ils se mettent là et puis. Mais bon, c'est bien fait. Par contre, il y a toujours la musique, hein, c'est pas bon signe ça. On peut pas grimper voir le ski en haut de la tour là. Non, on a déjà essayé. On l'a déjà essayé. On peut même pas passer à travers. Ouais. Ok. Bon ouais, je pense qu'on va rentrer à la maison peut-être parce que là moi je suis full hein, donc il faudrait absolument faire un petit check quoi, un petit comment ça s'appelle là, ouais un check ouais. Et du coup on va cesser les vues, j'espère que ça vous aura plu un petit peu d'action. Et du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye.